Bien qu'il y ait des doutes sur les dates exactes de la naissance et de la mort de William Shakespeare, à des fins pratiques, il a été établi qu'il est né le 23 avril 1564 et décédé 52 ans plus tard, un 23 avril 1616. Qui ne connaît pas ces innombrables pièces de théâtre qui, encore de nos jours, sont jouées dans le monde entier? Hamlet, Macbeth, Othello, Le Roi Lear, Roméo et Juliette, la liste est longue, puisque les spécialistes du drame élisabéthain pense que William Shakespeare a écrit pas moins de 38 pièces entre 1590 et 1612. En revanche, peu de gens savent qu'il existe 83 façons d'écrire son nom de famille. À cela s'ajoute le fait qu'il est régulièrement signé de diverses manières. Autre curiosité, le grand dramaturge était apparemment peu disposé à payer ses impôts. Jane Archer, Howard Thomas et Richard Margrave Turley, en fouillant les archives judiciaires de Stratford-upon-Avon, ont ainsi découvert que le dramaturge avait plusieurs fois été poursuivi pour évasion fiscale, risquant même la prison. Au point qu'avant de mourir, il a décidé de choisir avec soin son épitaphe afin que les fossoyeurs ne retirent pas son corps de la tombe et le jettent dans un ossuaire, une pratique assez courante à cette époque. Par conséquent, il a ordonné d'écrire sur la pierre tombale « Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ces pierres, et maudit soit celui qui déplace mes os. » C'est peut-être pour cette raison que personne n'a osé déterrer le cadavre de l'écrivain anglophone le plus célèbre. Après sa mort en 1616, on lui a érigé un monument funéraire dans l'église de son fief sur lequel il est représenté portant un sac de céréales. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, quand l'Angleterre le met sur un piédestal, que le sac du propriétaire terrien est remplacé par une plume d'oie, attribut qui sied davantage à un auteur de génie. Un génie qui fait irrémédiablement penser à un autre grand dramaturge bien de chez nous, je veux bien sûr parler de Molière, ce dernier étant mort quelques années plus tard, en 1673, non pas sur scène comme le veut la légende, mais bien dans son lit. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois.